Salut à tous, ici Toto et Toon. Voici notre nouvel épisode sur Mario 3D World, sorti le 29 novembre 2013 sur la Wii U. Ouais, qui est un jeu, on ne sait pas encore au niveau de la résolution, on n'arrive pas à trouver, mais par contre pour sûr c'est un 60 FPS. Oui, c'est pour ça que c'est bien fluide et bien beau en plus. Ouais, ça c'est vrai que ils ont bien géré sur celui-ci. Exactement, donc on a passé un peu l'intro du jeu, parce que c'est un petit peu c'était lent. Très lent. C'est, ouais. pour éviter de faire des blancs, c'est surtout. Ouais, c'est vrai que, pour le coup, c'est très dur de meubler une conversation, surtout quand on est très intéressé par les images de la télé, justement. Exactement. Bon, on va se lancer. Eh ben c'est parti, hein. Premier niveau. Premier niveau, d'ailleurs, Mario qui est complètement paniqué. Ouais, même le Toad. Allez, c'est parti. Alors, le but du jeu, c'est de sauver les fées. Voilà, c'est les fées en fait qui se sont fait enlever par Bowser, qui étaient dans un tuyau magique. Peach est tombé dedans. Et tout le monde a suivi, quoi. Voilà. Bon, mouton, moutonnage. Ouais, exactement, allez go. Allez, c'est parti. Donc oui, ce moteur de recherche, oui, bien sûr. moteur de... 3D, voilà, et... Franchement, on révolutionne complètement le gameplay. Aïe! Et surtout le jeu. Ouais. C'est la première fois dans l'univers de Mario qui est en HD et super bien fait. Non, franchement, c'est vrai que. Mais hop là, je passe par le tuyau. Ah, une clochette. Ah oui, clochette. Ça, c'est les nouveaux objets qu'on obtient maintenant dans ce jeu. Ça peut se transformer en chat, il y a pas mal d'avantages. Hein. C'est ça, comme par exemple de ce qu'on fait là. Monter sur les murs. Ouais, exactement. Et des fois, c'est un peu chiant. Tu vois, j'ai la flemme de passer dans le tuyau pour récupérer l'étoile, donc du coup, je passe par en haut. Merci. T'es tombé. Ah oui, tu m'as poussé. Oh, pardon. Par contre, si tu me prends, c'est sûr. Ah, putain, non. Fire. Miaou, miaou. C'est parti. Ah, par contre, là, tu me prends, s'il te plaît. Ah, d'accord, je te prends. Non, pas le petit contexte. Petit pervers. Pas ce contexte-là. Je pense que tu dois regarder avec le gamepad. Ok, gamepad. Voilà, tourne vers la droite. Ouais, c'est pour voir que. Oh, c'est pour regarder. C'est pour voir s'il est arrivé ou c'est galé. Lapinou ! Lapinou ! Je suis un chasseur moi de base. Viens là. Hey, voilà, une autre étoile. Ah oui, aussi, les étoiles vertes permettent de débloquer, par exemple, le dernier niveau de chaque monde. Ouais, et je crois aussi quelques niveaux. Quelques si niveaux. Si je m'en souviens bien, parce que c'est vrai que je l'ai terminé le jeu, mais ça fait très longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Oh, oui. Du coup, bon, je les ai pris deux. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, pète tout sur ton passage, surtout. Il y a un tuyau là. Ouais, je sais. Oups. Alors, pour te dire, t'as un gros boulet, oui. Mais enfin, bref. Comme c'est ça, on récupère les tampons. Ah oui, les tampons, c'est. Pour avoir, oui, des images pour publier sur Miiverse. Voilà, ça fait des petites. On peut faire des petites images sympatoches avec ça. C'est... Des petits dessins, on peut remplir. Des petites scènes. Des petites scènes aussi. Prends ta cloche. Ouais. Un petit wind-up. On spam la touche. On spam la touche. Pour récupérer des sous. Ok, toi t'es un violent, tu viens pas au mur. T'as un chat, mais t'es au mur. Je pense qu'on a loupé une étoile déjà. Ouais. Tac-y. Alors je sais même plus où aller. Peut-être dans l'arbre, là, non? D'accord. Bah, je sais pas, tiens. Ouais. C'est bizarre. Bon, il va falloir qu'on revienne en arrière. Pour ça, on a eu un petit champi. Qui sert un peu à rien parce qu'on a déjà. Voilà, ouais. On a déjà la totalité de ce qu'il nous fallait. Bon. On a pas besoin de péter ça. Ah, c'était pas en étant grand. Ouais, je crois. Parce que regarde, en bas, on peut péter aussi.
Oh putain, tu sais que t'es un beau gosse. Je sais. T'es tombé comme une grosse merde. Allez, viens. Allons au drapeau. Merci. Ah ouais, le drapeau. Pourquoi tu vas par là alors qu'avec le chat, c'est simple. Et hop là, comment je t'ai chiné. Alors toi. J'ai pas besoin de sentir ton derrière de chat en fait. Ah, bah excuse-moi, mais bon, t'étais juste derrière moi. C'était pas optionnel du tout. Alors ça c'est voilà. Ouais, ça c'est les sous. Il y en a beaucoup à récupérer. Oui, je ne sais plus combien. Il y en a tellement, je les ai même pas comptés, tu vois. Ouais. C'est vrai que beaucoup. Tu m'as battu. Mario. C'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que c'est le jeu, c'est ça? C'est le nom du jeu? Bah bien sûr. Je te fais remarquer qu'il est Toad, hein, ça fait partie de l'univers Mario. Il y en a combien par monde des étoiles? 3 par monde. Ah, on en a eu 3. Donc on a eu le total. C'est bon. Plus le drapeau en or. Voilà. Que ce soit n'importe quel personnage, hein. Ça peut être Toad, Mario, Luigi, Peach. Ouais. Pour une fois, Peach, elle est. C'est la deuxième fois dans un jeu Mario. Qu'elle ne se fait pas capturer. Et qu'elle est jouable. Qu'elle est jouable, ouais. Okay, maintenant... D'ailleurs, plus tard, il y aura un perso à débloquer. Harmony. Ouais. Celle de Mario Galaxy. Ouais. Qui est bon... très très bien fait, sérieusement. Bien fait. Ouais, bien fait. T'as un boulet. Un couronne! On s'est fait avoir comme des bleus. Tu me diras comme d'habitude. Tintin. Attends, je vais faire ça. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux que j'y fasse quoi? Ouais, bah, balance. Non mais par contre, toi, tu t'en fous. Sinon, tu vas te le prendre. Hop. Comme ça, là, on casse les blocs. Voilà. Ça va mettre longtemps à le faire, là. Hein. Ouais, parce que je l'ai pas vraiment lancé comme... Ok. Alors, tu vois... C'est bon, c'est reparti. C'est pas reparti. Oh non, putain. Viens là. Ouais. T'es franchement pas sérieux. Ah là, attends. Wouhou. Et on a eu un one up. Attends, faut que je passe maintenant. Petit moment de frayeur. Non, je veux pas aller là. Merci. Hop, mon petit champi. Non, monte. Y'a Goomba là. Ouais, reste appuyé. Maintenant tu vas vers la gauche. Et puis tu fais. Non, gauche. Et ça c'est droite. Oui, ouais. Bah c'est pas moi qui l'ai dirigé. Tu peux le diriger, hein. C'est. Non. T'aimes casser les blocs. Ouais. Ouh. Je me fais poursuivre. Tu peux utiliser le micro du gamepad pour voir des blocs transparents. Ah oui, regarde, il y en a un. Ah, viens là. allez. Le wind up. Hop là, vas-y. Je sais pas ce que t'as fait, mais t'as fait une... J'étais dans le vide. Oh, GG. Oh, le boulet. Vas-y, saute. C'est ça que tu voulais faire. Exactement, mais on peut y aller en haut, là. Bon, si je m'en souviens bien... je sais pas, j'ai dû rêver. Attention plus. Ah, si. Ah, tu vois, je t'ai dit. Ouais, mais c'est qui chien? Allez, on y va tous les deux. Oh mon dieu, non.
Faut spammer, faut spammer. Et voilà. Je suis où, moi? Je sais pas. Voilà. Ok. Bon, on est en haut. Y'a quoi? Si je m'en souviens bien... Je sais pas ce qui s'est passé. On est déboulé. On est déboulé. Ouais, c'est ce que je me disais. Revenons en arrière. Drapeau. Hop là. Éteins, tu peux éteindre les torches logiquement. Non? Sinon. Ah non, même pas. Non, non. Oh! Par contre, je peux les diminuer. Ouais, ça c'est normal, c'est avec. C'est avec. Là-bas! Bah, tu vois en haut là? Ouais. Bah. Putain! J'arrive! Mais arrête de sauter! Mais n'y compte pas! Comment je peux taper le coup par terre déjà? ZR. Ça y est, trouvé. Merci. Merci. Hop. Vas-y. Rentre dedans. Un tuyau en or. Ah, ça c'est bien ça. Écoute, ça nous a fait gagner beaucoup de choses, hein. Ça nous a fait gagner des pièces parce que ce sont des carapaces en or. Oui. C'est très, mais c'est très bien, tu vas me dire. Ça fait quand même de one up, quoi. Ouais, ouais. Bah si ça nous donne beaucoup de pièces, oui, ça pourrait faire des one up, quoi. Blouk. En haut. D'accord, ok. Problème de 3D. Bah, c'est un jeu, oui, c'est un jeu de plateforme 3D, quoi. Enfin, c'est considéré comme un jeu. Comme un. Oh, le petit tampon bien caché. Comme un jeu plateforme. Oui. Alors que c'est vrai, bon, il y a un mélange de 2D, enfin, plateforme 2D, 3D, donc c'est comme ils appellent d'habitude du 2D et demi. Et tu t'es pas un peu fail là? Ah si, un peu. Je vais me sacrifier. Oh, oh. Tu t'es sacrifié. Mais c'est pas mal. T'as fait un truc de génial, tout venir. Ouais. Putain, c'est toi qui a gagné. C'est toi qui a pris le dessus. Donc on a eu toutes les étoiles, mais pas tous les drapeaux. Enfin, pas le drapeau en or. Ouais. Bon, c'est qu'un détail. On peut toujours y revenir pour le faire. Ouais. Bon, on a eu la pièce comme comme tampon. Je m'en souviens plus que ça s'appelle déjà, putain. Comment ça? Les sauts, voilà. C'est des sauts. Oui, des sauts. 62 880 points à 2. Ça va? Ouais. Et si j'oublie d'appuyer sur 1, ça va pas le faire. Ah, c'est moi qui ai... T'es gagné. Ah bah t'es putain. T'es battu. Ouais, que de que dalle. Hein. Enfin. Pratiquement. Tu regardes la montée. Ouais, bon. Ouais, pratiquement le. Et de 6. Le double, hein. Pam 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 pam. Ah. Double bloc. Ouais. D'accord. Mais j'ai vraiment un problème de 3D. Bah dans, au niveau des choix des niveaux, si tu remarques bien, il y a des blocs. Enfin, le terrain a des blocs différents de couleurs. Oui. Tu sais, il y a vert foncé, vert clair. Ouais. Tu te fies à ça, quoi. Ouais, vrai. Ouais. Oh, lequel on frappe? Bon,
Grand, vas-y. Ouais. Voilà, c'est bon. On va pas le manger, si. Ça sert à rien. On te le laisse, c'est ton frère. Ah, oui, c'est vrai. Mini-boss. Enfin, moi j'appelle ça mini-boss, hein. On est obligé de... Enfin, on n'est pas obligé. Mm-hmm. Si, on est obligé de le battre pour pouvoir passer au niveau suivant. Oh, d'accord, c'est, ouais, assez, bah oui. C'est assez simple. Bon bah battons-les. Après ouais. Tout. S'il faut passer. Allez. Je t'ai dit, c'était ça. Wouhou. Bon, c'est vrai que le défaut de ce jeu, c'est qu'il est simple à, on va dire, à finir. Ouais. Bon, des fois, il y a des niveaux, c'est super difficile. Alors, je ne dis pas lesquels. À mon avis, oh, j'ai encore gagné. Ah, et pas qu'un P, et pas qu'un peu. Ouais, et pas qu'un P. Oui, un P aussi. Ben, allez hop, une tartine. Et un niveau débloqué. Bien. Allons à celui-ci, qu'est-ce qui nous attend? Parce que franchement, moi je me rappelle plus. On l'a fini, certes, mais je sais pas, ça remonte quand même à loin. Quand même, parce qu'on on l'a fini à peu près à sa sortie. Parce que t'es venu à la maison et... On l'a essayé. On l'a essayé. Puis on l'a essayé avant que moi-même j'essaie chez moi. Voilà, donc je suis venu directement à la maison pour tester le jeu. C'est ça. Et bien on l'a continué. et puis bon, bah on a passé pas mal d'heures sur celui-là. Voilà. Pas mal d'heures sur celui-là et honnêtement, c'était fun. Non, c'est toujours fun. C'est beau à voir. Beaucoup de couleurs. Ah, un bloc transparent. En parlant, tu vois. Ah, why not. Beaucoup de couleurs, des graphismes, rien à dire. Parce que honnêtement. Merde, dépêche-toi. Tonta. Parce qu'honnêtement, Nintendo, ok, ils sont en retard niveau graphiquement, mais comparé à une 360, une PS3, c'est les seuls qui arrivent à exploiter. Toute la capacité, apparemment, attention, parce qu'apparemment, les jeux de Wii U n'exploitent pas toute la capacité de la console. Non, apparemment non, d'après ce qu'ils ont dit. Apparemment, le seul jeu qui sera capable de tout exploiter, ça sera le nouveau Zelda. Sortie prévue en fin 2015. Ouais, qu'on attend impatiemment. Exactement, et très beau graphisme. Oh, ça sera encore du cel shading, mais bon, c'est pas le plus important. Honnêtement, pour moi, c'est pas le plus important. C'est honnêtement, j'ai vu comment c'est fait en HD. Honnêtement, c'est super beau. Oui. En plus, ça sera un open world. Ok, bon, Nintendo, j'aime pas trop ce mot pour le bon, Zelda. C'est le seul moyen de pouvoir décrire un jeu. Voilà. Donc, je reviens au petit mouton. Je disais au niveau de 3D World, graphiquement, il est super beau. Avec pas mal de détails. Honnêtement, au niveau détail, il n'y a rien à dire. Voilà, très fun, des nouveaux gameplays, enfin, c'est pas forcément un nouveau gameplay, mais grâce à... Petite parenthèse, vite fait. Vous avez remarqué qu'il m'a touché tout de suite, j'ai eu aussi l'étoile, l'invincibilité. Ça, c'est vraiment très très bien. Ça permet à ce que toute l'équipe puisse passer un moment auquel on n'y arrive pas du tout. Et je trouve ça très pratique. Un peu mordu dans le vide. Exactement. Et hop. Et hop, on est passé. Donc, comme je disais, graphiquement, rien à dire. Bien réalisé, très intuitif, le jeu. Avec pas mal. Ah non! Tu t'es loupé! Avec pas mal de bons niveaux. Mmh. Facile, dur, normal. Il y a toute difficulté. Toute difficulté et surtout c'est super fun en A4. Ah ouais. On s'éclate énormément sur ce jeu. Surtout qu'on est quand même assez libre, mine de rien. Parce que maintenant qu'il y a un peu la vision 3D, donc on peut aller devant, derrière. Ça donne beaucoup plus de possibilités et
C'est vraiment fun. Bon, lequel on fait? Bah, je sais pas. Le cirque. Allez, le cirque. Ouais. Ah ouais, et le truc est bien. Et le truc est bien, c'est le système de sauvegarde automatique. Oui. Il n'y a pas besoin, comme dans les autres Mario. Les Mario Bros. Ouais, surtout les Mario Bros. On n'est pas obligé d'attendre un certain niveau pour enregistrer. Enfin, pour sauvegarder plutôt. Donc voilà, donc. Aussi, avec. Un jeu très coloré, très beau. Pas mal de détails. Voilà. Donc là, le but, c'est d'ouvrir la porte en mettant toutes les couleurs vertes. À tous les plaques de la même couleur. Voilà. Non, pas besoin. Vas-y, je reste à ma place. Voilà. Comme ça, pour éviter de... De changer la couleur. Oh! Faut baisser un peu le son. Oui. Oh non. Ah là, l'étoile. Le truc m'a propulsé directement. Comme ça au moins. Vas-y. Voilà, parfait. Merci. Oh, grand merci. Oh, oh lolo. Petite pièce. Donnez-moi de plus de petites pièces. Attends, elles sont où les pièces? Elles sont où les pièces? D'accord, je t'en Bon, ça c'est fait. Ouais. Alors, chacun à côté, c'est ça? Ok, chacun à côté. Tu mens? Voilà. Porte ouverte. Tuyo. Oh. Ah, on doit y aller en haut. Attends, j'arrive. Mais tu vas pas prendre une cloche? Et hop là. Je suis en dessous. D'un petit... D'une dizaine de centimètres. D'une dizaine. Seulement. Oh, ça va, je suis juste en dessous de toi. T'es trop petit. Mais je suis plus rapide que toi. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est ça qu'on a dit. Ah oui, les caractéristiques de chaque perso. Alors, Mario, son caractéristique, c'est qu'il est lent, mais qu'il est puissant au niveau des coups. Oui, au niveau des coups, voilà. Il lui faudra pas beaucoup de coups pour pouvoir détruire ses ennemis. Voilà. Luigi, il a les sauts en longueur, c'est qu'il saute vachement haut et loin. Voilà. Donc en hauteur et en longueur. Toad, lui, c'est le niveau de la rapidité. C'est le plus rapide perso dans le jeu. C'est le plus rapide. Peach, elle plane. Et Peach, quand vous appuyez tout le temps, enfin, longtemps voilà. Sur A en l'air, elle plane. Voilà, c'est ça. Et Harmony, son pouvoir, c'est quand on saute. Non, quand on appuie sur X, l'attaque, c'est l'attaque tourbillon. Oui. Tourbillon et elle plane quand on reste appuyé sur comme Peach. Si on se souvient très bien.
Après, on aura vraiment confirmation quand on va utiliser les autres persos, parce que bon, on va quand même vous faire découvrir les autres persos. Ah ! Exactement. Ah, salut toi. Plissy. Dans ce stage, vous chevauchez Plissy. Ajustez votre vitesse en poussant L vers le haut ou vers le bas ou en appuyant sur la croix multidirectionnelle. Pour sauter, appuyez sur B ou sur 2. Si vous jouez à plusieurs, vous pouvez tourner plus rapidement ou sauter plus haut en entrant simultanément la commande appropriée. Vous avez tout retenu ? Alors c'est parti. Ouais. Il faut être très coordonné là-dedans. Oui, exactement. Par contre, tu m'écouteras quand je te dis de tourner à gauche. Okay. Parce qu'il y a une étoile qui est bien planqué, enfin il y a un passage qui est bien planqué et au début je savais pas où c'était. Là faut bien. Voilà. Ah, une voilà. Étoile. Si tu veux tourner à gauche. Aïe. Oh. Boost. Faut sauter en haut pour avoir le tampon. Attention bien. Ah non, c'est le one up. Et on l'a loupé. Alors, ça va être là. Comment ça tourne, ce soir ? D'accord, il fallait savoir. Là, voilà, l'étoile, elle est là. Il fallait vraiment savoir. Glissade ! Et là, faut pas se tromper. Par contre, il y a un truc que le tampon... Enfin, oui, le saut... Je sais plus où il est. Donc là, l'étoile est au milieu, c'est ça ? Exactement. Et on l'a loupé de peu. C'est pas grave. T'es incontrôlable. Vilain. Oui, au revoir, au revoir. À la prochaine. Oh. Tu veux pas une cloche? Tiens. Dis-moi, regarde. Récupère-la. T'es un fourbe. Dépêche-toi. T'es un fourbe. T'es un fourbe. Ah, 60 850. Ah. Eh ben, je t'ai encore battu. Je me demande pourquoi. Et comment ça se fait? Va savoir, je sais pas. Bon. Bon. Et bon, c'est bon. Petite blague à part. Blague de merde. Oui, je sais. J'aime pendre. Non, on va pas te prendre. Allez, jouons un peu au casino. Alors... Non, je te 100 pièces. Un why not. C'est parfait. C'est parfait. Là, on l'a même pas expliqué. Oui, bon, je pense que les gens vous ont compris quand même. Ça va, c'est en fait une roulette qui permet d'avoir des one-up. Exactement. Ah oui, aussi Captain Toad. Alors, Captain Toad, si vous avez remarqué dans les. Enfin, dans l'E3, enfin, à l'E3, au Nintendo Direct et tout ça, ils ont parlé d'un Captain Toad. Qui sortira le 5 janvier en Europe. Ce jeu est tiré du mini-jeu Captain Toad dans le 3D World. 3D, oui. Qui est super sympa, c'est super sympa. C'est un jeu de casse-tête, quoi. Faut être très malin. Faut être pas très malin, faut être malin, voilà. Faut être malin, faut bien se servir du gamepad, de la caméra. Parce que le Captain Toad, il faut se dire, c'est un personnage qui est très lent parce qu'il a un sac à dos rempli et c'est pour ça qu'il se déplace très lentement. Et le but de ce mini-jeu et du jeu qui va sortir, c'est ne pas se faire toucher par l'ennemi. Voilà, parce que sinon il va se rétrécir, donc il va être encore moins rapide. Un peu comme le style de Mario quand voilà. On touche, ou alors Toad, la même chose. Et aussi, c'est de récupérer des étoiles. Des étoiles vertes, comme j'ai dit tout à l'heure. De débloquer les châteaux des boss. Voilà, comme là.
Comme là, là il nous faut... Il nous faut par exemple 10, là on en a 15, on en a suffisant. On a assez. On a assez, on peut les débloquer. Voilà. Donc voilà, moi je trouve assez sympa qu'ils fassent une sortie sur ce jeu. Oui, parce qu'il mérite franchement sa place. Et honnêtement, graphiquement, c'est la même chose que 3D World. C'est super beau, bien coloré, rien à dire. Donc voilà, dans des endroits comme la lave, la glace, dans le ciel. Dans le ciel. Etc, etc. Donc, ouais. Voilà, c'est super bien fait, y a rien à dire. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le Nintendo Direct, ils ont montré les 70 stages en version vitesse grand V pour justement expliquer un peu mieux le système du jeu. Ouais, en résumé quoi. Voilà. Et ça vient d'où ça ? Si je m'en souviens bien, c'est soit une maison, soit un mini-niveau. D'accord. Oh, bah on voit. Clique dedans, après tu pars. Là, c'est bien une maison. Ouais. D'accord. Est-ce que. Ouais, vas-y, je sais pas. Vas-y. Je prends le petit. Merci. Voilà. Merci. Et là, c'est toi qui as fermé la porte à volume. Hein. Bon, Captain Toad, c'est parti. Bon, on va le faire. Ah oui. Ce stage nécessite l'utilisation du gamepad et ne peut être parcouru qu'en solo. Je pose ma manette et je vais laisser Toon jouer. Ok, donc pour les stages Toad, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire chacun notre tour. Donc là, ça va être moi, puis bon. Bah, si tu perds, hein, moi, voilà. Ainsi de suite. Bon, bah, je crois que ça va résumer exactement de ce qu'on en a parlé, justement. Mais... Voilà, voilà. Donc, si tu gagnes là, bah, prochain épisode, c'est ça, ça sera le deuxième monde. Oui. Qu'on va faire. D'ici peu, non, parce que si vous avez bien remarqué, ça fait un mois qu'on n'a pas fait de vidéo. On a fait pas mal d'erreurs. Oui. Surtout sur le format de Hyrule Warriors, on s'est trompé de micro. Ça, c'est pas faux. On rencontre pas mal de problèmes, on comprend pas pourquoi on modifie et on fait les montages vidéo, son et etc. avec Vegas Pro. Et ouais. On comprend pas. C'est tout nouveau en fait parce que bon, on n'est pas très non plus fort. Et on comprend pas pourquoi la qualité d'image n'est pas la même quand en sauvegarde. En sauvegarde, quand on enregistre en streaming avec notre boîtier. Donc voilà, on se pose pas mal de questions, on essaye de régler le problème aussitôt possible. Ok. Et donc voilà. Non, c'était le bon. Ah non, t'avais oublié une étoile. Ouais. Voilà, l'étoile, je l'ai. Ah là, oui, Toon, il est en train d'utiliser le joystick du gamepad. Voilà, ça. Et moi, je vais vous faire découvrir plus tard. Avec le gyroscope. Quel gyroscope, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, oui. plus complexe. Mais j'arrive pas trop à l'utiliser, donc du coup j'utilise le stick, ça m'évite vraiment de perdre des trucs comme ça. Oui. Il y a aussi un point au niveau des plateformes qui montent, qui descendent, qui se déplacent, rien qu'au souffle. Il y a pas besoin de souffler, il y a besoin de parler fort. Faut que le micro entende notre voix ou le jus ou le souffle. Moi, ouais, généralement, quand je joue, je fais avec ma voix, c'est pour éviter d'être trop essoufflé parce qu'il y a des personnes qui sont asthmatiques, qui font de hyperventilation. Voilà, hyperventilation, et c'est très très mauvais. Allez, on ouvre quelle porte ? Donc voilà, donc on a eu les 5 étoiles. Voilà, vous avez vu que celle-là, le premier niveau est facile, de Captain Toad. Mais ça augmente au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc ça, voilà, allons aider la fée verte sur le château autoroute. Château de Bowser, enfin, c'est trop long comme nom là. C'est vrai. Même moi je bégaye. Badaboum, badaboum. Alors, le cercle en forme d'étoile, ça nous permet de récupérer des pièces vertes pour reconstituer l'étoile verte. Voilà, une étoile verte. Rien de plus compliqué. Ouais, je me demande s'il y a quelque chose en haut, si je m'en souviens bien. Oui. Ouais, c'est du temps. Parce qu'il y a même des chronos, des petits chronos, c'est 10 secondes, des grands chronos.
C'est 100 secondes de plus. Voilà. Hop là. D'accord, alors moi j'attends pour un. Ouf. J'ai failli faire. Tout ça. Voilà. Tampon. Tampon. Hop, petit coup de patte sur l'engrenage. Oh, joli. Pile à temps. Pile à temps. Tout le sauveur. Avant que ça se... Alors toi, je sais pas... Pourquoi j'ai appuyé sur le bouton? Vous assistez à notre première défaite ignoble. C'est une défaite qui n'est pas justifiée. Qui n'est pas justifiable. Donc on doit tout recommencer. Ouais. Bon. Est-ce que je vois, ouais. Allez, vas-y. Ok, au passage, je joue au foot. Ouh, on a failli faire un peu de mal. Prends le temps. Chrono. Ah. C'est la raison pourquoi on a perdu, c'est que tout est tombé. Il aurait dû. Oh, joli. Il aurait dû appuyer sur le bouton R pour pour se mettre en boule. Oh merde. Enfin, se mettre en version boule pour qu'il puisse venir vers moi sans perdre de vie. Bouton R. Bouton R, oui. Et moi, au lieu que ce soit tout, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton. Comme un boulet. Donc c'est pour ça qu'on a perdu. Oui, parce qu'il n'y avait plus aucun joueur qui pouvait assurer la partie. Parce qu'à la base, quand on est en mode bulle, il faut qu'il y ait un... Un joueur obligatoirement. Joueur obligatoirement. Oh, joli. Pourquoi faire difficilement... compliqué alors qu'on peut faire simplement les choses. Oh, ok, ricoche. Joli, joli. Ça, c'est pro du foot. Hop, on a tout. Ouais. Ouf. Oh, tu m'as jeté dessus. Sont prêts à péter ça. Ah non, ouais, c'est ceux-là qu'il faut. C'est bon. Vas-y. Qu'est-ce que je fous? Heureusement qu'on a des clochettes en réserve. Voilà, c'est ça, parce que là on aurait été foutu. On aurait été foutu. Foutu. Je t'ai balancé. Bon, ça va, il y a la cinématique. Le buzzer avec une grosse bagnole là. Ah mais c'est venu, elle me fait un PD hein. Ouais, non mais c'est surtout elle est bien faite hein. C'est... Venez me voir, j'ai décapoté. Même Bowser graphiquement. Mais non, je veux pas t'attraper moi. Bowser graphiquement, ils ont plutôt bien réussi. Ouais. C'est super, il est super bien fait. Il roule tellement vite, regarde. Il est lent. Normal, il pèse lourd. Il fait quoi, 3 tonnes? Hop, je casse son tour, on lui tape ses ballons pour ouais. Mettre l'effort. Non, non. Même la lave, elle est magnifique. Merde. Ouais. Bah oui. Voilà, là je suis d'accord. Oh là, quelle voiture. Ah ouais. A tout à l'heure. Abelie, Abelie, that and fly. Il y a un buzzer qui vole partout. Surtout dans les airs. Nous nous reverrons. Une fois la Team Rocket est partie vers notre ciel. Oui, on délire un peu, oui. Allez. La petite fée verte. Oui, oui, petite fée verte, on va venir te délivrer. Pourquoi il monte pas? Normal, t'as sauté trop tôt. Et on fait des avions! Voilà, voilà! Bon, bah, premier monde terminé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, parce que. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, presque 40 minutes. On va peut-être faire un monde par épisode. Ouais, voilà. Ça serait très raisonnable, donc. Exactement. Bon, après, il n'y a que si on a des petites magouilles un peu dans les niveaux, c'est qu'on perd trop souvent. Que là, on sera obligé de faire en deux parties. Mais sinon, oui, on va essayer de faire un monde, un épisode. Voilà, exactement. Bah, ça peut durer entre 30 et voire une heure. Ouais.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est raisonnable. On essaye de pas trop faire trop long, parce que bon, c'est bien beau d'avoir un long gameplay, mais c'est pas beau dans le sens auquel après on se fait vraiment chier à regarder. On se lasse, c'est surtout Voilà. ça. Vous, à force, vous vous lasserez et vous ne regarderez plus les vidéos. Voilà. Donc, Donc, bon, bah, sur ce, au hein, prochain épisode. voilà que ben dans une ou deux ou trois ou un mois, on sait pas. Tout dépend de la disponibilité, tout Voilà, dépend mais je pense s'il que y a des bon, problèmes. en ce moment, on n'a pas beaucoup de choses à faire, donc on fera peut-être un épisode sous peu. Voilà. Donc, bon, bah. Donc voilà, c'était 3D World 3D World avec Toto et et Toon. Toon, hein, Voilà. voilà. Donc, Alors... bon, bah, au prochain épisode, bon visionnage et bon voisinage. Ouais. Tchuss! Tchuss!